la savane comme Simba. QLF, le bras de la haine porte Simba. J'aime la nature. Yo. Les pépites. CR7, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les pires copies d'élèves de... Donc voilà, j'avais fait un premier épisode où j'avais demandé 20 000 pouces bleus pour la suite. Ouais, bon, vous avez mis... Pas comme si vous aviez mis presque 50 000 pouces bleus. Non. Et que j'étais en retard. Non. Et donc aujourd'hui, les amis, c'est un moment historique dans l'histoire de l'historique. Car aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons tenter de battre le record de pouces bleus de la chaîne YouTube. C'était il y a 5 mois où vous aviez mis plus de 62 000 pouces bleus. 70 000 pouces bleus! Après, si vous mettez 70 000 pouces bleus, je vous fais une semaine spéciale, une vidéo par jour. Et je vous sors un épisode 3. Non mais de toute façon, je suis tranquille, 70 000 pouces bleus. Non, 70 000 pouces bleus, c'est impossible. Ils y arriveront jamais. 70 000. C'est parti. Stay with me, hold my hand, and the night will go. Run around, like the dark will be beautiful. Pense à t'abonner. S'il te plaît, on est bientôt 400 000. Ah, une copie de sciences physiques, nous allons donc lire le problème. La force maximale que peut exercer la personne... Oh là là, attends, ça a toujours été compliqué ces trucs-là. La force maximale que peut exercer la personne est de 100 DAN. Cette personne va-t-elle parvenir à maintenir le véhicule situé sur une nouvelle pente à 15 degrés? La réaction exercée par le sol a une intensité de 800 DAN. Auquel l'élève a répondu... Oui, je pense que s'il fait de la musculation et qu'il est fixé au sol par une sangle, il peut maintenir le 4x4 en équilibre. Je sais pas s'il y a des profs qui regardent mes vidéos, peut-être des profs jeunes, mais et je pense que là je peux parler au nom de tout le monde. Vous nous pétez les avec vos problèmes. Si son 4x4 se roule plus, il va appeler la dépanneuse. Tu crois vraiment que demain tu tombes en panne sur l'autoroute, tu vas te dire putain merde, il y a combien de DAN pour que je puisse porter mon véhicule? On s'en bat les... Voilà, j'ai essayé de garder mon calme, j'espère que le message est passé. Suivant. Oh, le bon contrôle de mathématiques. Ah, il était archi concentré, toujours concentré. Ah, toujours concentré. Ah, c'est totalement parti en couille. Quand tu arrives pas, que tu trouves pas, t'as tout essayé, t'as fait 36 000 calculs, t'as fait 36 théorèmes, mais tu trouves pas la réponse. Abonne-toi. Les coulisses de YouTube. Ah bah faire le con c'est bien, mais bon, on casse tout hein. Pas d'impôt de la France quand même. Suivant, petit contrôle de géographie. Il y a plus de flèches sur son contrôle que sur la miniature YouTube. J'hallucine. Mettre Mayotte dans la mer Méditerranée, c'est une certaine performance. Suivant, alors c'est un contrôle en anglais. Donc il y a des calculs de mathématiques et il a dessiné un morse par-dessus. Le morse a perdu son habitat naturel à cause du réchauffement climatique et a choisi de résider dans mon cahier de maths. Je m'excuse en son nom pour les désagréments causés. Il y a des trucs radioactifs dans ce que vous leur donnez à manger le soir. C'est comment le mec il va se dire, alors attends, je sais pas faire le calcul, mais du coup... On va dessiner un morse sur la feuille devant mes calculs et dire qu'il est venu. Ouais, tu notes Jean-Louis, tu notes, oh putain, on est bien. Ah bah, la prof, ah bah, in the pocket, hein. In the pocket, finger in the nose. Ah bah. Alors, autant il y en a, ils sont en prise de masse, autant il y en a, ils sont en perte de poids. Mais alors, moi, en ce moment, je suis en perte de cheveux. Ah, c'est un délire. La casquette, gros, ça t'épile la tête. On s'en bat le testicule de ta virée à Kenset. Ferme donc un peu ta gueule pour voir. C'est mieux. Miranda ne voit rien quand elle regarde le microscope. Expliquez pourquoi. Elle est aveugle. Suivant. Cette fois-ci, c'est un mot dans le carnet de correspondance. Madame, monsieur, Rémi ne peut pas dire à voix haute pendant un cours d'SVT, ça sent la queue. T'imagines, le type, il arrive tranquillement en cours demain matin. Ça sent la queue. Toi qui sors la queue, vous allez vous calmer. Tu veux jamais le CPE. Vous avez quoi, madame? C'est parce que c'est vous qui sentez la queue, c'est ça? Vous êtes complexé, c'est toi qui sors la queue. Moi, ce que j'imagine, c'est surtout une fois que t'as dit ça, tous les camarades de classe qui se regardent. C'est pas moi. Ah bah peut-être que si finalement. Suivant, petit cours d'histoire. Le protocole de Kyoto est un engagement entre plusieurs pays afin de réduire les gaz à effet de serre. Suivant, je vous ai demandé de m'envoyer votre pire mot, votre pire remarque en cours. Monsieur Marwan 38 qui nous dit ma pire honte parce que le prof l'a affiché à tout le monde. Donnez le tableau de signes à chaque expression.
J'espère passer parce que mes parents ont vu ça. Ceinture directe, hashtag parents blédards. Viens là, fils. Tu veux vraiment dessiner en cours? Eh bah tiens, tu vas crier comme un signe. J'entends pas. Voilà. Tu veux devenir un signe? Eh bah deviens un signe. Suivant. 0,5 sur 20. Moins 2. Demande à Paul d'écrire plus gros. Non mais attention, parce que la prof elle a marqué ça, mais ça se trouve c'est pas dit qu'au prochain contrôle ce mec là aille voir Paul et lui dise: psst, tu peux écrire plus gros. Non, j'en ai marre, tu copies sur moi. Je vais te dire à la prof. Bah justement, c'est la prof qui m'a demandé de te dire d'écrire plus gros. Ah, on fait moi le malin. C'est qui va lire à la prof? Suivant. Et donc ensuite on voit donc un contrôle de mathématiques où il est marqué, la question B c'était lire C75. Les réponses sur la feuille. J'ai lu C75. Je lui ai dit de lire C75 et il a lu C75. Je ne peux donc pas lui retirer de points. Mais je suis donc prise à mon propre jeu. Et donc voilà les gars, les pires copies 2, c'est déjà fini. Pense à laisser ton petit pouce bleu. En tout cas, je lui dis, prenez soin de vous. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde, peace. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day.